Salut à tous, c'est Alex le Saveur, on se retrouve pour la suite de Banjo-Kazooie. Pourquoi Banjo est parti de l'autre côté alors que je voulais qu'il aille par là? Mince, attends. Non, c'est pas ça. Non plus. Non. Il cherche ses boutons. Voilà. Ça commence bien. Ah, c'est ça le souci de jouer à 10 000 gens en même temps. On finit par oublier un petit peu les contrôles par moment. Salut Brentilda. Alors, oh tiens, ça on l'a pas fait. Oh oh, range tes yeux, Brentilda. Donc c'est reparti pour l'exploration du château de Grunty. On a ouvert une porte la fois dernière. On n'a pas encore eu l'occasion de voir ce qu'il y avait derrière. Enfin, si on a juste vu une Gruntilda géante. Quand même le sens de la dramaturgie. Oh là, il y a un poisson vénéneux là. Vénéneux, pas du tout. Un poisson carnivore vénéneux. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, Louis! Qui est ce Louis dont Kazooie parle tout le temps? 260, on a combien à nous? 300! Eh ouais, on a la classe! Alors, peut-être on va peut-être déjà d'abord explorer ce qu'il y a ici, hein, quand même. On va aller dans l'ordre. Roui! Tutti sera grosse dans un instant, il y a une faute à Sora. Tu ne la sauveras jamais, attends! Sera. Troisième personne du singulier, pas de S. Je sens que c'est le chemin vers les fameux marais. Pouap, 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 pouap. Oh là! Alors attends. Qu'est-ce qu'il y a par là? Brentilda, attention à vos claviers, j'ai besoin de vous dans les commentaires. Le sport favori de ma grosse sœur est la course de balai. Bien que stupide, elle est diplômée de l'école des fesses molles. Crazy. Pour animer les soirées, Gruntilda se déshabille et danse la salsa. Mais enfin, c'est sale. Pardon, pardon, pardon. Oh, et là, Patouche, vire tes sales pattes si tu n'as pas parlé à Bottles. Bottles. Ok, donc des chaussures qui m'engueulent. Enfin, des bottes plutôt. Des bottes en caoutchouc. Pouette, 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 pouette. Oh! Il y a un truc de l'autre côté. Mais pour ça, il me faudrait les bobottes, justement. Et les bobottes, elles se trouvent dans ce monde qu'on a déjà ouvert précédemment. Donc c'est parti pour l'exploration, du coup. Les marais, je sais pas quoi. Je sais plus leur nom. Oh! Cherche bien ton nouveau mouvement, mon petit poulet. Hey. Commence bien. Ah! Eh oh! Voilà. Ah bah rien. T'étais juste là. Oh! Voici les super bottes. Chausse-les et ton petit poulet pourra traverser les zones dangereuses comme le marais pendant un certain temps. Ok, mon petit pou... Kazooie. Allons chercher une paire de bottes. Ton énergie est faible. Je vais arranger ça. Super, vous avez tous les mouvements du monde. Ok. Whatever, Bottles. Let me play. Ok, rien par ici. Étrange petit croco. Je vais faire caca dans ta bouche. Enfin, façon de parler. Aïe. Non!
Je crois me souvenir que c'est ça. Voilà. Miam. Croctus aime les œufs. Miam, Croctus. Miam. Miam, miam. Moi aussi, j'en veux du bon miam, miam. Ok. Qu'y a-t-il au-dessus de ce jonc? Des plumes. Alors, regardons alentour. Ok, il n'y a pas grand-chose. À part les bottes. Alors, eh ben, attendons pour les bottes, parce qu'il y a des choses... Oh! Un gingjo. Attendez, monsieur le gingjo. Le gingjo jaune. Gingjo, oui. Alors, attends, je vais prendre les bottes, parce que j'ai repéré un petit crâne de Mumbo. J'adore la musique. Attention. Retire, retire. Comment retire déjà? Attends, ah. Je peux le retirer avant. Je sais plus comment on fait. Voilà. Vilaine grenouille. Récupérer des plumes d'invincibilité. Alors, hop. Oh, ça c'est un temps limité, j'aime pas. On va aller dans l'ordre. Oula. Eh oh. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allez, les bottes. Roui. Oula. Oula, caméra. Non, un gros œuf. Bon, écoute, on va y aller tranquillement. Saute. Voilà. Ah bah regarde. Faut faire le tour. Dépêche-toi. Oh. Oh mince. Attends. La vie. Ah c'est bon. Hop. Ok. Oup là. Ne trempe pas tes pieds pourris dans l'eau des piranhas. J'ai glissé. Gloops. Et voilà. Première pièce de puzzle de ce niveau. Alors, on va essayer de monter sur le jonc. Ah, Ikam Bokam. Voilà. Donc un niveau aquatique comme le précédent, hein, la caverne de Clanker. Mais pas le même type d'aquatique, hein. C'est aquatique, aquatique tac. Je sais pas où aller du coup là, pour l'instant. Faut pas tomber. Oh, oh là là. Ah, c'est déjà toute courte. Ah, j'ai trop peur. Bon, attends, occupe-toi. Ah, tiens, on va déjà faire ça. Je vais reprendre ma vie. Je vais prendre tranquillement les petites. Les petites notes, hein. Parce qu'après, faudra speeder. Elle est où là? Oh, faire tout le tour. Ça, on a le temps quand même, en fait. On pourrait y aller limite en marchant. Regarde, 15 secondes encore. Cam, bocam. Ah, regarde, on a fait la moitié du chemin tranquillement, sans se presser, sans stresser. Peut-être pas la moitié en fait. Tu es lent, tout y est à moi. Mon or, jamais tu n'auras. Oh purée. Un gingjo.
la fin, on peut y aller en volant. Hein. Je pense qu'on peut. Je vais le tester. Au pire, je tombe dans les... dans l'eau des piranhas. Ouais, regarde, hop, deux sauts, c'est bon. Ok. Oui, Croctus, je ne t'oublie pas. Je fais une petite course avant. Donc, j'y vais en mode banjo, pas en mode Kazooie parce que ça irait trop vite. On a eu chaud. La caméra est trop près. Ça me stresse. Il reste 20 secondes. Regarde-moi ça. Il reste 20 secondes. Oh là là. Gloops. C'était beau. Croctus, du coup. Voilà. Alors là, on va pas oublier le croco. Ne mange pas, hein. Hop. Alors attends, est-ce qu'il y a des trucs en dessous? Là-dessus. Oh là! Ni! Un intrus pas beau! Il veut notre or! À l'attaque! Oula! Eh oh! Oula! Le mec il triche un petit peu quand même là. Voilà. Blub, tu es trop fort. Prends notre or. Écoute, hein, voilà. Oh, elle sautait partout, c'était relou. Gloops. Alors, voilà. C'était juste pour éviter de perdre ces trucs-là à la base que je suis passé par là, mais bon. Il y avait de l'or. On est déjà à 40, hein. C'est pas mal. Et les bobottes là-dessus. Rien par là. Vilain moustique. Des œufs. C'est chaud de passer de jonc en jonc. Non, ça va en fait. Reste droit. Patate de pomme de terre. Bah ouais. Ok, zen. Détends-toi. Y'a un gingo. Il y a des pièces à récupérer là, il faut les chercher, choper les bottes. Ah, des plumes, faut en reprendre ça. Les plumes jaunes. Heureusement que j'ai bien visité au début parce que j'aurais loupé les bottes. C'eût été plus compliqué par la suite. En route, bichette! On va retaper le retour d'ailleurs. Oh non. Oh.
N'est-ce pas le toit de la hutte de Mumbo là-bas? On va aller voir. Hop là. Passer par là. Moustique. Ah, du temps, d'accord. Avec un labyrinthe. Ne loupe pas les... les notes non plus. Attention, saute. Ouf. Oh non! Oula! Oula! Ça va être galère pour récupérer ça à la fin. Mettre pile poil le temps qu'il faut. Regarde ça, les vicieux. Saute! En sautant, on gagne un tout petit. Ah, c'est bon. Allez, salaud. Non! Salaud. Ah, c'est pas sympa. 10 secondes! Avec la caméra comme ça, oh. Je m'étouffe. Mon or, tu aimerais voler? Va plus vite ou laisse tomber. On va respirer. Ouh. Ah, c'était intense. J'espère que vous avez autant frissonné que moi. Je vais reprendre mes esprits. Alors, on a tout notre temps. Vas-y. Pas si vite. C'est bon. Hop là, ouf. Ok. Voilà. Il y a un bouton dans... Voilà, j'ai trouvé le bouton. C'est Z. The plus plume. Vérifie qu'il n'y a rien de caché quelque part, on sait jamais. Non. Très bien. Attends 2 secondes. Regarde. Comment tu parles qu'une des alvéoles que j'ai oubliées dans le premier... Ah non, il y en a une ici par contre. Bien joué. Ah, on va y arriver. Ah mais enfin, Jean-Maurice, s'il vous plaît. Sérieusement, Mais arrête de pas voler les droits, vole droit s'il te plaît. Oui, pardon, monsieur Mumbo. Voilà. Ouf. Bon, transforme-moi. En quoi? Un crocodile. Cool. Mumbo faire nouvelle botte en peau de Banjo. Le petit croco qui croque. C'est trop mignon. Alors du coup une petite sortie pour moi. Voilà. Alors maintenant que je suis en croco, déjà je ne crains plus les piranhas. Et ensuite, je peux rentrer dans les narines de cette tête de croco. Oui, ne cherchez pas à comprendre.
Ne cherchez pas. Ah bah regarde. Il avait une note dans les narines. Voilà. Et un petit... Son petit cri. Hé, moi c'est Monsieur Vile. Je suis le croco le plus vorace de tous. Joue avec moi et tu gagneras un prix. Appuie sur A pour accepter ou sur B pour te dégonfler. Le jeu est simple. Mange plus de chipouille rouge que moi. Prêt ? 3, 2, 1. Partez ! J'adore les chipouilles. On veut de la chipouille. Ah mince. Ah. Là. Allez là, le roi de la chipouille. Le roi de la chipouille. Il est en train de me rattraper là. Ah c'est salaud, je maîtrisais comme un ouf. Attention. Ouah, 30 chipouilles. Wow, 30 chipouilles. Gros, ce jeu était trop facile. On va jouer à un autre jeu. Mange les rouges et évite les jaunes. Prêt ? 3, 2, 1. Partez ! Ok, chipouille rouge. C'est pas beaucoup plus dur, hein. À partir du moment où tu connais les couleurs, ça va, quoi. Je sais différencier mon rouge de mon jaune. Eh, je suis pas nié à entraîner moi non plus. Hein. J'essaie d'essayer de lui shipper aussi juste avant qu'il les prenne. Ça lui fait perdre du temps. Hop, chopé. Eh, tu triches. Tu les vois à peine quand elles apparaissent. Hey, j'ai encore gagné. Tu as trop de chance. Tu dois maintenant jouer à mon dernier jeu. Mange uniquement ce qui est indiqué en haut de l'écran. Prêt ? 3, 2, 1... Partez! Ok, les rouges. Je l'ai eu. Les jaunes! Mince! Les rouges! Ah, c'est bon, ils me l'ont compté quand même parce que bon, j'étais. Change, 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 merci. Oh non, non! C'est salaud. Putain, les rouges. Les jaunes. Yes. Hey hey. Monsieur Vine n'avait jamais perdu. Voilà ton prix. Alors c'est bizarre quoi. Monsieur Vine te lance un nouveau défi. Tu lui dois remporter 3 parties pour gagner 3 vies. Mais à chaque défaite, Monsieur Vine te croquera une vie. Appuie sur A pour jouer ou sur B pour fuir.
comme un lâche. Monsieur Vile est le plus fort de tous. Regardez, le nain vert se débine. C'est juste que je m'en fous des vies. I don't care. Est-ce que j'ai un autre truc à faire en tant que croco? Je ne sais. Allons explorer en tant que croco déjà. Voilà. Puis on verra. Bah déjà là, je vais pas y aller en tant que croco. Par contre, regarde ça, récupérer tout ça. C'est beaucoup plus facile quand t'es en croco. Le Jinjo. Jinjo. Il manque plus que l'orange. Hop, on a tout. Ok, oui. Ah! Folle caméra. C'était généreux là. Des plumes jaunes. Des petites bottes. On a déjà récupéré quasiment toutes les plumes jaunes qu'on a dépensées tout à l'heure quand même. Donc bon. On est très efficace. Il n'y a pas une vie là. I don't care, mais si on a une, j'en prends quoi. Bon, donc ça, je peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je peux pas sauter. Ok. Qu'est-ce qu'on a pas encore fait? On n'a pas encore fait par là. Ah, regarde, il y a une tortue là. Bonjour. Elle me parle pas. Ok. On ira la voir en tant que Banjo, peut-être qu'elle me parlera. Elle est mal polie. Jinjo, le dernier Jinjo. Et voilà, et de 6, là. We don't care. Pas le croquer. Ah! Bon. Il suffit. Ah bah ça, je peux pas. Bon bah, je crois qu'on va repartir en... Ah. Poussez votre tête, madame. On va retourner se retransformer en ours, hein. Il y a les croctus aussi. Il y a un croctus tout en haut près des cabanes, là. Là, on peut pas encore monter. Poum, 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 poum. Oui, ouh. Alors qu'on fasse tout le tour. Bonjour. Eh oh. Debout. Fainéant. Ah mais attends, je peux sortir par là avec direct avec les bobottes. Même, regarde, je vais faire mieux pour être sûr de pas tomber en rade. Voilà. Pas besoin de tout me retaper. Alors, ce qui m'intriguait, c'est qu'il y avait des chaussures de sprint dans le croco, mais je vois pas comment rentrer. Je vois pas comment rentrer en tant que Banjo. Ah bah tiens, parfait. Ouais, je vois pas comment rentrer, hein. Là, c'est trop petit pour moi. Alors, oups. J'ai tombé. Attention, on va les voir. Après, on va faire les maisons avant. Voilà.
Oh, moi, je détruis tout le village. Hein. Il suffit. J'entends le crocodile. Oh! Alors, où est-ce qu'ils vont nous envoyer une pièce? Bim! Je t'explose le chapeau. Ok. Là, je peux monter... Oui. Ok. Ok. Là, je voyais pas lequel il fallait viser. Alors, bah, ça tombe bien. Je vais en face d'abord. Attention, atterris bien. Oula, attention, pas sur le... Non, pas sur lui. On va te faire croquer. Mets-toi bien en face. Encore ? Oh. Derrière le croco. Ok. S'il n'y a pas de pièce derrière ça, je ne comprends pas. Oh bah ça alors. Prom prom. Gloop. Ok, on va s'occuper de Croctus là. Attention. Il est où le croco? À droite je crois. Voilà. Hop là. Ah. Attention. Oula. Encore? Attends, c'est où là? Ah bah c'est derrière la tortue, parfait. C'est là où je comptais me rendre. Allons voir notre ami la tortue. Pardon. Pardon, monsieur le croco. On sait pas si c'est une tête de croco ou si c'est une maison qui ressemble vraiment beaucoup à une tête de croco. De façon très réaliste. Oh, mes pieds sont engourdis. Attends, je vais te réveiller, moi. Bim! Oh, le cri qu'il fait. Oh, ça va un peu mieux. Ah, je vais te réveiller, moi, tu vois. Encore un petit coup? Ah! Tank Top est tout content. Cela vous plaît-il? Bah oui, une... Une pièce de puzzle. Le... Alors, avant d'aller à l'intérieur, on va aller s'occuper de notre ami Croctus. Enfin, de... Oula, il va vite lui. Eh oh! Voilà. Ah bah voilà, c'était le dernier. Et plus qu'une pièce, on aura fini avec ce monde, dis donc, quelle efficacité. Ah. Oh. Hein? Est-ce que vous les reconnaissez? Ce sont les petites tortues, c'est Tip Top. Normalement, si vous suivez mon let's play Diddy Kong Racing, vous savez qu'il y a Banjo en personnage jouable, mais aussi Tip Top. Et oui, et Conker aussi d'ailleurs. Donc, je vous invite à aller voir mon let's play de Diddy Kong Racing. On a récupéré les 100 notes de musique. Bravo. Silence, je vous prie. La fameuse chorale des Tip Top va interpréter son dernier concerto. C'est tout? Leçon numéro 1,
essayer de copier ce que vous venez d'entendre. Jaune. Bleu. Rouge. Ça va être galère ce genre de mini-jeu, mais bon. Pas mal. Voici la leçon numéro 2. Alors, cyan. Bleu. Cyan. Rouge. Et rose. Et rose. Ah, splendide. Plus qu'une leçon. Oups. Attends. Cyan. Oh, je vais me planter. Cyan. Jaune. Bleu. Cyan. Non, merde. Aïe. N'importe quoi. Essayez à nouveau ou demandez-moi de rejouer le morceau. Cyan. Quoi? Commencez pas par cyan? Merde. Je vais peut-être vous demander. C'est dur, hein. Allez, on recommence. Bah si on commençait par cyan. Ah, fallait pas recommencer du début. Cyan, jaune, bleu, rose, jaune. Cyan, jaune, bleu, rose, jaune. Violet, rouge. Cyan. Jaune. Bleu. Rose. Jaune. Violet. Rouge. Merde. Suspense. Oui, c'est ça. Magnifique. Un véritable chef-d'œuvre. Tenez. Cet objet est à vous. Oui! Désolé, mais le cours est terminé. Eh ben, on a fini le monde! Même pas 40 minutes. Oh bah, il était bien caché, lui. C'est parti pour les 10 pièces et les 100 notes de musique. On n'a pas les deux alvéoles, en revanche. Je ne pense pas. J'en ai eu qu'une. Eh ouais, il manque une alvéole. Le marais moisi. Karen de Clanker, on a une alvéole. 0 dans la baie du trésor. Et une dans la montagne de Mumble. Faudra qu'on retourne voir tout ça. Où peut être la dernière alvéole, ça, alors? Alors, attends, il y avait une ruche par là. Voilà. Quand même, on va être un petit peu précautionneux. Avant de sortir, on va aller se retransformer également en crocodile parce que vous avez vu la bouche et la tête de Banjo est de plus en plus heureuse à mesure que la vie remonte. Bref, il est possible qu'on utilise parfois les transformations, vous en souvenez, on utilise la transformation de termite pour trouver une pièce dans le château de Gruntilda, dans son repère. Donc peut-être qu'en étant transformé en crocodile, on peut trouver notre pièce. C'est même fort possible. Dans mes souvenirs, c'est quasiment sûr. Donc on va vérifier ça. Et pour ça, il faut sortir du niveau en étant transformé. Bon, on peut y aller un peu plus relax, on n'a pas de notes à choper. Donc dans le remake qui est sorti sur Xbox 360, sur le Xbox Live Arcade plus précisément, ainsi que dans la compilation Rare Replay, on n'avait pas besoin de choper les 100 pièces, enfin les 100 notes, pardon, à chaque fois je dis 100 pièces, les 100 notes de musique d'un coup. Elles étaient sauvegardées au fur et à mesure. Là, on est obligé de les reprendre toutes à chaque fois. Il faut qu'on fasse 100 notes en un run. Donc c'était un poil plus difficile. Un poil seulement, parce que bon, c'est pas non plus. Comme vous le remarquez, c'est pas impossible non plus.
Voilà. Enfin, après, on est dans les premiers mondes, hein. C'est forcément plus facile que les derniers mondes. C'est logique. Oh. Non, pas de coup de... Attends, regarde. Hé hé. Ubana. Très bien. Nous voici en petit croco trop mignon. Tout mignon, c'est mieux. Il n'y a plus qu'à retrouver la sortie. Oui! Je l'aurais mis sur un truc comme ça, moi, la... l'alvéole. Non? On n'a pas d'autres en même temps, on a fait tout, on les a tous fait. Caché dans un recoin. Là-bas, on allait voir. Hein. Là-haut, c'était un... Non, il y avait quoi là-haut? Des œufs. Très bien. Eh ben, écoutez, on reviendra plus tard. Certainement avant le boss de fin. Génial. Ton meilleur score de notes pour ce monde est maintenant 200. C'est plus simple de prendre le petit croco pour aller par là. Même si je ne sais pas si on n'aura pas besoin après de notre forme physique. Enfin, physique. Forme physique là, mais c'est pas... Ah! Est-ce qu'en tant que croco, je peux utiliser ça? Mais tout à fait! Je me demande quel va être le thème de ce prochain monde. Freezy Peak. Le pic gelé, je crois, si je me souviens bien. On retrouve ce bonhomme de neige dans Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, le jeu sorti sur Xbox 360, Banjo-Kazooie 3 en fait, qui n'a rien à voir avec les deux premiers, mais bon. Un joli calendrier de l'Avent, c'est trop mignon. Rien par là. Alors, par là y'a quoi? Je me souviens plus comment me débarrasser de ça. Tadam, tadam, tadadadadam. Une petite jupe, j'ai acheté. Une fois mince, je la mettrai. C'est ça, ouais. Va, Pimki. J'ai toi un pif. Alors, j'étais sûr qu'on pouvait faire un truc supplémentaire en tant que... croco. Genre passer par un petit endroit caché. Ah, du coup le moustique il est sorti de ce monde. Et de 10, voilà. On est au max. Ah. Magie Mambo, trop faible. Magie partir. Bon, bah on a le temps d'explorer un peu le château. Là, on n'a pas le temps de commencer un nouveau monde, mais on a le temps d'explorer. Et je vais vous montrer aussi le game over. Qui est... Enfin, qu'on a quand on quitte le jeu, en fait. Du coup, c'est assez rigolo. Il n'y a rien au-dessus. Non, par contre ça, ça indique qu'il y a un monde quand on rentre là-dedans. C'est l'entrée d'un monde. Oh! À vos claviers! Ma grosse sœur dort souvent dans une poubelle.
elle remporta un jour le concours de la culotte la plus sale. C'est immonde quand il pense quand même. Elle fait souvent la couverture du journal des laideurs allongés sur du crottin. Oh mes pauvres poussins, votre énergie est faible. Laissez-moi vous aider. Voilà qui est mieux. Merci, Brent. Oh! Ah bah oui, il faut passer par le chapeau. Hop. Hop là. Hop, hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, un vase. Porte murée qui n'est plus très murée, voilà. Un interrupteur pour faire apparaître. Ah ah. Ça me rappelle le vase Goron dans Ocarina of Time, bizarrement. Alors attends, faisons le tour quand même avant. Là, regarde, et on chope plein de crânes de Mumbo. 16. Là, un autre truc à péter. Des bottes. Ok. J'imagine qu'il va falloir traverser quelque chose, peut-être du sable. Alors là, on voit qu'il y a une porte scellée. Il y a du sable. Je me demande quel est le thème de ce niveau. Alors, ce qui m'intrigue, c'est qu'on a débloqué le monde de glace, mais je vois pas très bien où y entrer. Faut que je refasse un peu d'exploration. Ah bah voilà. Gloop. Le vase communiqué. C'est un vase communicant. Une fois grosse, ta sœur Tutti mangera du pain avec son riz. C'est inventif, hein, c'est inventif. On peut pas lui retirer ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin ici? Là-bas, il y a un monde. Growl. Ça, c'est fait. Chaque fois, je refais les 10 fois les mêmes trucs parce que je me perds tellement dans ce... Par là, c'est la caverne de Clanker. Cela dit... Il y avait... un autre puzzle par là. Est-ce que j'ai assez pour le remplir? Et le monde, on est pas prêt de l'ouvrir celui-là. C'est le dernier en fait. Hein. Pas du tout! Attends. C'est pas du tout le dernier monde. Elle est où l'ouverture du bois clic-clac? Je me souviens l'avoir vue pourtant. On se perd dans le château de Gruntilda. Je vais bien aller visiter. Ça se trouve l'entrée... Bah non, ça me paraît très bizarre que l'entrée de... du monde de glace se trouve juste à côté, là, dans le tuyau qui était bouché. Ça me paraît très bizarre. Quoique... Attends, le bois qui claque, c'est par là, je crois. Oui. Ah. On va retourner, du coup, au niveau des marées. Non, ça me paraît... Ce serait un peu étrange. Combien j'ai de pièces? Je l'ai eu, hein, là. Mais j'ai même pas fait apparaître le truc, de toute façon. À l'école des sorcières, le surnom de la grosse Grunty était Ventre Mou. Oui, ça me dit quelque chose. Une fois mince, j'irai danser avec les gars de mon quartier.
Bah, ce sont des rêves après tout, tout à fait normaux pour une sorcière de son âge. Donc là, j'ai pas le socle qui me permet de mettre les pièces, donc c'est pas par là, de toute façon. À moins que j'ai loupé un truc au niveau de... Parce que là... Attends. De toute façon, là, il n'y a rien d'autre. Hein. Là-haut. Là, je vois à peu près dans quel genre d'endroit on se retrouve après, mais... On n'a aucune porte avec des notes, là, pour l'instant. C'est bizarre. Là, c'est l'entrée logique. Non, logiquement, le truc devait se trouver quelque part ici. Attends. Bah, je suis aveugle, il y a deux portes. Il y en a une qui monte, là. Pas besoin de refaire tout le tour. Voilà. Il y avait une porte qui mène au truc et un escalier qui monte. Ah, voilà, oui. Celui-là, je me souviens bien. Re Grunty. Un peu obsédé par son image. Hein, elle. En plus, là, c'est bien. Ah, mince. On va commencer à débloquer des passages secrets. Voilà. Parfait. Un des premiers, je crois, qu'on a croisé. Ça y est, tu as créé un raccourci. Saute à l'intérieur. Ouais, on verra. Ah bah voilà. Le monde de glace. Qu'on fera donc la prochaine fois. Freeze Easy Peak, l'entrée là, regardez, c'est un joli de l'autre côté. Joli calendrier de l'avant. C'est pas mignon? D'ailleurs, il y a des trucs à récupérer. Ouais, t'es un peu loin là. Dahou! Dahou! Bam ba da 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 dum ta dum ta dum ta da 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 dum. Voilà. Poup. Très bien. On a une montée ici. Papa, 450, c'est un peu beaucoup. Plus de notes, il te faut trouver pour qu'un jour tu puisses passer. Je serai mince, quel bonheur! Ah, moi les frites et les burgers. Alors là, par contre, on en a qu'un. Est-ce qu'il y a un truc sur son... Ah bah oui! Attention à vos claviers! L'horrible Gruntilda mange des tétards à la crème au petit déjeuner. Elle se prépare aussi des limaces au crottin pour son dîner. Pour finir, son dessert favori est la glace à l'œil de Gorée. Affreux. Comme d'habitude, hein, si vous pouvez me le mettre en commentaire, ce serait juste choupidou. Merci à Lucille, merci, je ne sais plus qui l'a fait aussi la fois dernière, qui m'a mis tous les trucs, en se moquant de moi, en me disant « Kazooie, elle dit que voilà. » C'était très rigolo, merci. Oh, regardez, il y a un passage là-bas. À mal finir, cette affaire. Ah, je le savais. Ah. Donc merci de jouer le jeu. Comme ça, je pourrais tout relire. Et ça me servira pour la fin. Alors, tant que j'y suis... Alors, attends, il y avait ça à récupérer, là. Même si, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Hop. Et cette porte-là, par contre, on peut l'ouvrir.
C'est immense hein, comme hub quand même, hein. Vous vous rendez compte? Oula, nous sommes carrément au cœur d'un volcan. Ah bah, autre monde qu'on peut débloquer. La vallée de Gobi. Eh ben, au choix, vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que je fais la vallée de Gobi ou est-ce que je fais le pic gelé? À vous de me dire ce que vous préférez, du coup, dans les commentaires. Parce qu'on a débloqué les deux mondes, donc je peux faire l'un, je peux faire l'autre. C'est vous qui choisissez. Vous me dites dans les commentaires. À vos commentaires. Vous avez plein de choses à mettre dans les commentaires hein, sur cet épisode. Donc, soit, en plus, soit le désert, soit la neige. Et là, c'est l'entrée vers mon monde préféré. Par là, ça sert à rien d'y aller. Voilà, il se trouve ici. Et on va pas le faire tout de suite, malheureusement, mais je vais être très content quand je vais le faire. Et vous allez vite comprendre le thème. Est-ce que je peux déjà rentrer là ? Je sais plus comment on doit faire pour... Pardon. Attends, l'entrée est où? L'entrée est là, mais normalement... Il n'y avait pas... Si, bien ce qui me semblait. J'adore, oh là là. Bon par contre c'est... Je suis trop grand. Bien, bah je crois qu'on a suffisamment exploré du coup. Ça va être l'heure de rendre l'antenne. Parce que là de toute façon, je sais plus du tout comment on fait pour... C'est bizarre quand même. Il doit y avoir un interrupteur, je pense qu'il va ouvrir cette porte là. J'aime les huîtres et le jambon. Chez moi, il y a plein de cochons. Il y a plein de cochons. Donc voilà, vous avez bien compris, c'est une ambiance un petit peu glauque. C'est le manoir du monstre méchant. The Mad Mansion Manor. Non, bah non, Mad Monster Mansion plutôt. Manor. Et là, ça ne sert à rien que j'y aille. Mais il y a un petit passage secret. Tout petit petit, vous voyez, là-bas. On ira plus tard. Bien. Donc, oula. Ouh. Je me suis fait peur. Ouais, parce qu'en bas, c'est pas très... Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà. Je tombe, je ne survis pas. Voilà, c'est tout bête. Bien, donc en commentaire, déjà, les petits mots gentils de Bruntilda qui nous aide du coup en nous donnant des fun facts sur sa sœur Gruntilda qui vont nous servir à la fin du jeu. Donc, c'est pour ça que je vous demande de les écrire. Ensuite, vous me dites si je vais dans la vallée de Gobi ou le pic gelé. À vous de choisir, bien évidemment, dans les commentaires. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. On est quasiment 10 000, ça se trouve on sera 10 000 quand la vidéo paraîtra, donc ce sera formidable. Et je serai très content. Donc un énorme merci à tous ceux qui me suivent, vous êtes fidèles depuis bientôt 3 ans. Et ça me fait extrêmement plaisir. Alors je vais juste voir où mène ce truc. Ah oui, c'est là où il y a la petite montée avec les yeux qu'on explosait justement en début de vidéo, je crois. Tiens toi, exactement. Je vois les yeux ici. Super. Et bon, on va s'arrêter ici, mais pour finir, je voulais vous montrer... Voilà, la petite séquence qui sert de game over en fait qu'on a, on peut voir aussi du coup quand on met sauvegarde et quitter. Banjo cette fois n'a pas eu de chance, mise en marche et pleine puissance. Oui maîtresse adorée, transformation lancée. Donc la pauvre Tutti est dans une machine digne de la mouche. Allez Banjo, je me sens mal.
Ours et oiseau dégommé, Grunty a enfin gagné. Et donc Grunty la sort en espèce de Victoria Beckham des Spice Girls. Mon doux rêve s'est accompli. Plus belle que Tutti, enfin je suis. Ah oui, et puis évidemment, Mumbo, il... Voilà. Grunty trop canon, vivre avec Mumbo, oui. Mumbo, il retourne sa veste complètement, quoi. Et bon. Banjo, j'ai des mots à te dire. Tout de suite. Ta 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 ta. Arr. 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 Allez, on se retrouve très vite pour la suite de Banjo Kazooie. Salut à tous. Eh.